Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait un peu changer de décor. Comme vous voyez, là, je suis à mon bureau devant mon ordinateur. Et en fait, comme vous avez pu le voir, vous avez vu un petit b-roll en début de vidéo. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, pendant que je faisais ce b-roll, de vous filmer l'envers du décor, un peu le behind the scene. Donc j'ai filmé ça sur trépied avec un iPhone, pour que vous voyez un peu comment je fais mes plans, comment je dirige un peu Pauline, donc ma copine qui m'aide sur cette vidéo-là. Ça fait pas longtemps que j'en fais, mais je me suis dit que j'allais profiter justement de ce petit confinement pour m'améliorer là-dedans. Et voilà, je trouvais ça intéressant du coup de vous faire partager l'envers du décor. Donc on va commencer tout de suite avec le premier plan. Alors à la base, on n'était pas du tout parti là-dessus. Là, comme vous pouvez le voir, la sacoche commence floue et ensuite... J'avais déjà en tête de toute façon le raccord entre le premier et le deuxième plan. À la fin du premier plan, je descends et au début du deuxième, je remonte. Donc ça, je l'avais déjà en tête. Et du coup, c'est le fait qu'elle pose la sacoche qui fait la transition. Alors comme vous pouvez le voir du coup sur l'image, il y a un petit carré noir. Donc en fait, le problème que j'ai eu au début, c'est qu'en faisant le plan descendant, on voyait complètement tout ce qu'il y avait dans les cubes. En fait, comme vous voyez, c'est des cubes. Donc je trouvais pas ça très très esthétique, je trouvais pas ça très joli. Je suis pas sûre qu'au final, la feuille noire soit plus jolie, mais au moins, il y a un raccord entre les deux mouvements, entre le plan 1 et le plan 2. Donc ça, voilà, c'est ce que je peux dire pour le premier et deuxième plan. Ensuite, on passe au troisième plan. Alors, troisième plan, c'est la fermeture éclair. Alors ça, c'est vu et revu. Dans beaucoup de b-roll où on ouvre des sacs, il y a ce plan-là, et je voulais absolument le faire parce que c'est la première fois que je le fais, et je trouvais ça super intéressant à faire. On a fait plein de prises. Alors là, ça, c'est le truc, par exemple... Premier astuce entre guillemets ou premier conseil pour ce genre de b-roll là, ça va vous prendre du temps. Voilà, je vous le dis tout de suite. Enfin, moi en tout cas, ça nous a pris beaucoup de temps parce que forcément, bah tu refais les prises. Souvent, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Donc voilà, faut avoir un peu de temps devant soi quand même. Faut pas faire ça en 5 minutes. Ce genre de truc où tu testes des choses, voilà, la mise au point, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ce plan-là, on l'a fait pas mal de fois parce que je voulais vraiment l'avoir bien. Au final, je suis très contente du plan que ça rend. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment le mouvement. J'essaye de bouger le moins possible mes jambes, enfin entre guillemets, mes deux jambes ont appui sur le sol. Et ensuite, j'ai un mouvement de jambes qui fait que c'est beaucoup plus fluide que si je marchais et je me déplaçais en fait. Ça après, c'est personnel. Moi, je trouve que c'est plus stable comme ça. Après, bon. Donc celui-là, c'était vraiment, vraiment cool à faire. Le seul truc était un peu relou. Là, à ce moment-là, j'étais au 25 mm. Du coup, vu que j'ai un micro 4 tiers, c'était un 50. Donc là, j'étais à ouverture 2, je crois. Donc ce qui était un peu relou, bah, la mise au point. Forcément, parce que en mouvement c'est pas évident, donc c'est pour ça qu'on l'a refait aussi plusieurs fois pour que j'ai vraiment bien la mise au point. Donc voilà, mais sinon c'était vraiment un plan sympa à faire. Ensuite, le prochain plan, rien de très fou à dire, juste voilà, je voulais vraiment avoir cette transition avec le plan suivant, avec la petite move du rod. Donc voilà, ça donne le plan juste après de la moufette. Là aussi, c'est pareil, ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir, c'est deux autres petites astuces, c'est que quand vous allez filmer ce genre de choses, en général vous filmez quelqu'un le faire. Ou alors vous pouvez en faire tout seul, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut vachement bien diriger vos modèles, parce que eux ils savent pas du tout ce que ça rend la caméra. Ils savent pas du tout, enfin après vous pouvez leur montrer et leur expliquer, mais ils ont pas forcément l'expérience que vous avez, ou le retour que vous avez, donc ils savent pas à quelle focale on est, ce qu'on voit exactement dans le cadre. Donc eux ils savent pas forcément. Et le truc, c'est ce qui est assez marrant, c'est que quelque chose que Pauline m'a beaucoup dit pendant le tournage, c'est que c'est pas naturel. Il y a des trucs qu'elle fait qui sont pas naturels, mais je lui ai dit oui, mais à l'image, entre guillemets, ça se verra pas. C'est-à-dire que quand elle sort la moufette, au début, elle la sortait vraiment genre très collée au sac, comme ça. Et je lui ai dit bah oui, mais moi, il faut vraiment que je le vois pour le reposer après, en fait. Et du coup, elle m'a dit mais c'est pas du tout naturel. Je lui ai dit oui, mais à l'image, vu qu'on est serré, c'est pas grave, ça rendra mieux. Du coup, à la fin, c'est ce que je peux vous montrer là, c'est que vraiment. À la fin, du coup, elle le prenait, elle faisait ça, elle le posait pour que moi, je puisse vraiment l'accompagner. Donc ça, c'est assez important. Bien diriger votre modèle parce que voilà, il se rend pas forcément compte de ce que vous filmez, quoi. Et après, deuxième chose que je peux vous montrer aussi avec ce plan-là, avec la moufette, c'est que, en général, alors, je sais pas s'il y en a qui le font autrement, mais moi,
les b-rolls comme ça, c'est toujours en manuel focus, enfin toujours, toujours en mise au point manuel. J'utilise très très rarement l'autofocus de toute façon, déjà parce que je n'ai jamais pris l'habitude de l'utiliser. En plus, faut dire ce qu'est, l'autofocus des Panasonic sont pas fous, hein. Donc voilà, moi c'est toujours manuel, j'adore ça, donc j'adore faire des changements de focus, tout ça. Et voilà, et dans ce genre de b-roll là, en général, c'est du manuel focus. Donc soit tu suis le sujet, et c'est pas forcément évident des fois de le suivre bien, soit du coup tu fais une mise au point à la fin. Moi en général, ce que je fais, c'est que je fais une mise au point au point d'arrivée de l'objet, et ensuite, je recommence au début, et là, clac, comme ça je sais qu'à la fin, je suis bien au point. En général, je fais ça. On voit aussi que je fais ça au moment du micro. Je lui ai demandé, quand elle le fait sauter, enfin quand elle le lance, de le mettre avant au-dessus pour que du coup je fasse la mise au point et que quand le micro est en l'air, il soit bien au point en fait. Donc ça, c'est pareil. C'était au début, je l'avais pas fait. Du coup, il était toujours flou. C'était insupportable. Et du coup, voilà, ça c'est un petit conseil. Faites bien votre mise au point. En général, au point d'arrivée, c'est pas mal. Dans le mouvement, si c'est pas forcément bien net, c'est pas forcément grave parce que vous êtes dans le mouvement, ça se verra pas forcément. Par contre, quand l'objet est posé et que vous finissez sur l'objet, s'il est flou, c'est un peu dérangeant. Donc là, voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites plutôt la mise au point à la fin, c'est plus intéressant. Alors là, on arrive, je pense, à ce qui nous a pris le plus de temps, forcément, le lancer de micro. Voilà, c'était merveilleux à faire. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que moi, je sais que mon appareil, il a pas un gros ralenti, c'est-à-dire que je peux aller qu'à 60 images secondes en 1080p. Donc du coup, je savais que j'allais pas avoir un ralenti de fou dessus. Donc au début, je me suis dit, je vais le faire en un seul plan. C'est-à-dire que je vais vraiment le suivre et le redescendre. Ça a été très compliqué. On a fait énormément de prises, dans plein d'angles différents, pour essayer de trouver le bon angle. Et au final, à un moment donné, je me suis dit, bon stop, j'arriverai pas comme ça. C'est là que j'ai décidé de découper la séquence en deux. Donc en contre-plongée, pour que ce soit quand même plus facile de l'avoir et d'avoir juste un petit mouvement pour avoir le lancer du micro plus un peu en l'air. Et ensuite, un plan vraiment de profil avec que le plafond. Et là, juste en l'air pour que je puisse le ralentir un peu et après il redescend. Ça a été assez compliqué à faire. Au final, on a réussi parce qu'on a découpé en deux. Au final, je trouve ça sympa parce qu'en plus, avec le rythme de la musique, je trouve que c'est assez intéressant. Donc voilà, et du coup, ça m'a permis de raccorder directement avec ce petit moment où il y a l'accroche du micro sur la griffe. Alors l'accroche du micro sur la griffe, c'est assez intéressant. Parce que ça, c'est pareil, c'est un deuxième, je sais plus à combien d'astuces je suis, mais c'est une autre astuce pour vous quand vous faites des genres de b-roll là, c'est que du coup, on l'a tourné à l'envers. Et après, je l'ai inversé sur première. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Pauline n'arrivait pas à le faire descendre et à l'enclencher directement. Parce que forcément, la griffe, c'est un peu étroit, c'est un peu compliqué de le mettre directement dans le machin. Donc on a fait des prises, puis à un moment, elle me fait, mais pourquoi est-ce qu'en fait, je l'enlève et je le lève et puis t'inverseras quoi. Et je fais, bah, oui. J'ai pas pensé, on a perdu 20 minutes. Du coup, ça c'est hyper cool. C'est quand vous y pensez, c'est vraiment pas mal parce que ça vous fait gagner énormément de temps et au final vous avez juste à l'inverser. Donc en fait, comme vous pouvez le voir là, on a juste fait le plan où elle déclenche le micro, elle le lève et voilà. Et après, j'ai juste eu à l'inverser et c'est comme si elle l'enclenchait en fait. Donc ça marche super bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait ces plans là avec un iPhone parce que le truc c'est que j'ai qu'un seul appareil et que quand tu veux filmer ton appareil et que t'as qu'un seul appareil. Faites le calcul tout seul, il manque un appareil. Du coup, là, c'est pareil, donc j'ai utilisé l'iPhone de Pauline. Moi, le mien filmait le making-of. Forcément, ça se voit que la qualité est pas la même, mais après, je trouve que ça va. À l'étalonnage, j'ai réussi à plus ou moins me débrouiller pour que ça soit pas flagrant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous trouvez que c'est flagrant et que c'est horrible. Moi, je trouve que ça va. Là, on va passer sur le plan qui est pas forcément dingue, mais dont je suis la plus fière, dont je suis la plus contente parce que... Avouez quand même. Ils se font super bien avec la musique. Ah oui, je vous le remets. Je vous remets juste le passage avec la musique. Vous êtes d'accord, quand même. Ça marche super bien quand je suis tombé sur la musique. Parce que ça, c'est pareil. Chose à savoir, petite astuce. La musique, c'est ce qui vous prend le plus de temps. Enfin, moi, c'est ce qui me prend le plus de temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai mis plus de temps à trouver une musique qui collait bien plutôt qu'à tourner, à faire le montage. Vraiment. Ça, c'est aussi un truc, c'est... Mais prenez du temps aussi parce que la musique elle est hyper importante. Si j'avais choisi une autre musique, j'aurais pas eu cet effet là et ça aurait été hyper dommage parce que ce moment là, et moi j'adore, tu vois, c'est peut-être vous allez vous dire ouais, pff, c'est pas fou, ça tourne, ouais, c'est joli. Moi je trouve ça fou, enfin j'adore. Voilà, c'est juste petit. Donc petit conseil, vraiment la musique c'est assez important, choisissez la bien. Donc voilà, encore une fois, plan avec le téléphone parce que pas le choix. Et au final, je trouve que ça rentre très bien, c'est assez stable et tout, donc je suis assez contente. Donc là, on passe au plan avec la lanière. La lanière, rien de dingue à
à dire, je voulais juste avoir ce petit effet justement tourné. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça joli. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, je vais pas m'étendre 25 ans sur ça. Comme vous voyez à chaque fois par contre dans le making of, la lumière bouge parce que du coup j'ai pas de gros panneaux que je peux mettre au-dessus pour que la lumière soit hyper homogène. Du coup j'ai été obligée de faire croire à une lumière un peu homogène. Du coup j'ai dû la bouger. Mais bon, ça, moi je trouve que c'est pas choquant du coup du tout dans... pour faire ce qu'on a. Donc voilà, l'avantage aussi c'est que derrière moi, là où il y a le portable qui filme le making-of, il y avait les deux portes-fenêtres qui donnaient aussi de la lumière de ce côté-là, donc en général je mettais surtout le panneau LED de l'autre côté. Comme ça j'avais la lumière de la vitre et la lumière du panneau LED, donc c'était pas mal. Alors là c'est pareil, ça c'est des plans, je vais pas m'étendre dessus, mais c'était juste un petit kiff personnel. Au début je me suis dit bon, je vais vraiment les mettre histoire de, voilà, de faire la tâche. Mais comme le plan sur l'accroche du micro, eh ben ça marche super bien avec la musique. Voilà, j'ai mis la musique et je me suis dit, oh mais c'est génial, ça fait le clac, je vous le remets juste pour le plaisir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, avec la musique, les petits clacs, le petit rythme au bon moment. Voilà, le plan est pas dingue, mais moi ça m'a fait kiffer de le monter comme ça, voilà. Alors, le plan sur le filtre, sur la boîte de filtre, pareil, ça nous a pris, forcément, vous imaginez, pas mal de temps, un peu comme le micro, parce qu'il faut que ça tourne bien, tout ça. Après, je pensais que ça prendrait plus de temps que ça. Au final, ça a été. Ça n'a pas pris tant de temps que ça. Mais c'était marrant à faire. Donc voilà, je savais que ce plan allait fonctionner. En plus, ce que j'aime bien, c'est que j'ai rajouté du sound design derrière. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je vous le remettrai fini après. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. Et ça fait toujours son effet. Un petit effet de toupie, c'est toujours sympa. Le plan d'après, j'en suis pas forcément super, super fière. Je trouve pas forcément fou. Mais je voulais avoir cette transition entre l'ouverture de la boîte et le fait de le mettre sur l'objectif. Après, bon, ça marche bien en rythme. C'est sympa, mais après c'est pas le plan dont je suis plus fière. Et alors là, on passe au final. Alors le final, je vais pas vous parler du dernier plan, parce que c'est juste un plan où bah, je filme autour de l'appareil. Je vous mets quand même le making of, hein, mais c'est juste, voilà, bah, je filme l'appareil. Le dernier plan, enfin l'avant-dernier plan, du coup, au début je voulais faire une transition avec l'avant-dernier plan et le dernier plan. Je voulais que les deux soient en rotation comme ça. J'ai essayé au montage, c'était pas fou, ça faisait trop. Du coup, je me suis dit, je vais juste garder le filtre. Et comme vous le voyez sur le making of, au début, la première fois qu'on l'a fait, comme vous pouvez le voir, je tournais l'iPhone. J'ai essayé de le faire de moi-même. Ça ne marchait pas du tout. C'était horrible. En plus, la caméra de l'iPhone, comme vous pouvez le voir, est sur le côté. Donc quand vous faites ça, bah, la caméra, c'est une galère pour la laisser centrer, c'est une horreur. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu n'utilises pas la 4K, en fait, de ton portable ? Parce que l'iPhone filme en 4K, donc je me suis dit, et puis tu fais ça en post-prod en fait. Juste tu filmes d'un peu plus loin, parce que du coup la 4K après, quand tu veux faire une rotation, ça croppe énormément. Donc je me suis dit, juste tu te mets vachement loin, et tu fais une rotation sur le logiciel directement, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, et beaucoup plus net, enfin beaucoup mieux cadré, enfin voilà, ce sera nickel quoi. Donc voilà, du coup je l'ai fait comme ça, et au final je suis très contente, je trouve que le plan marche plutôt bien. En plus ce qui est cool c'est qu'on voit pas trop dans le reflet de la caméra, dans le reflet de l'objectif que je fais ça avec mon portable, vu que c'est fait en post-prod. Donc du coup voilà, j'étais assez contente de ce plan là, je le trouvais plutôt cool. Donc je vous le remets tout de suite, comme ça vous pouvez le revoir en entier en vous imaginant le making of derrière, ça peut être pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça super sympa à faire, le petit making of, vous montrer comment je fais ce genre de petite vidéo. J'ai encore pas mal de choses à améliorer, forcément. On peut pas faire des trucs à la Daniel Schiffer du premier coup. Mais voilà, moi ça me fait vraiment vraiment plaisir de vous partager ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez que je fasse plus souvent ce genre de choses, où je vous filme des choses et je vous montre le making of derrière. Moi j'ai trouvé ça très sympa à commenter, à vous expliquer tout ça. Tout ça agrémenté de petites astuces pour si vous voulez créer ce genre de b-roll. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très sympa. Comme d'habitude, petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, matinée, nuit, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt dans le studio de Caro. Salut.